to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes samedi et j'ai enfin reçu le bullet journal de l'association. C'était un projet qui me tenait vraiment à cœur, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais en mémoire. Je me disais que c'était vraiment une très bonne idée de réaliser finalement quelque chose que tout le monde utilise pratiquement. Hein. Enfin, en tout cas moi je m'organise tout le temps avec un bullet journal ou des agendas, donc je suis super contente de l'avoir réalisé et je m'étais dit de l'appeler le bullet qui soutient, dans le sens où ça va vous soutenir dans votre organisation quotidienne. Il y a des listes de courses, il y a des menus, voilà, il y a des listes de notes, il y a vraiment de tout pour vous organiser. Et en même temps, à l'intérieur, vous retrouvez des anecdotes sur la maladie de Crabbe, donc plein d'informations qui vont pouvoir vous apprendre davantage sur la maladie, mais également des témoignages de famille. Voilà, ils ont tous mis un petit témoignage dans le bullet, donc voilà, c'est un bullet qui est super joli, je vais vous le montrer de suite. En plus il est très attrayant, il y a plein de couleurs, enfin voilà, il est très sympa, il y a plein de petites choses hyper mignonnes, donc voilà, j'en suis très très fière. Rien que la couverture est trop canon, ça représente un gros crabe en sous-marin avec Eden à l'intérieur avec le petit lapin, voilà, c'était un peu significatif. Et voilà, je le trouve vraiment super joli, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir commander le bullet. À savoir que si vous voulez un témoignage plus long, il y a toujours mon livre qui est disponible également sur The Book Edition. Donc voilà, où il y a 1€ des bénéfices reversés à l'association. Et concernant le bullet journal, c'est la totalité des bénéfices qui sont reversés. Ça va nous permettre de financer une recherche qui est située à Lille, à l'Institut Pasteur. Et également de continuer de soutenir les enfants atteints de la maladie de Crabbe dans notre association. Donc voilà, un beau projet, j'espère que ça vous fera plaisir et que vous l'achèterez pour nous soutenir tout simplement. Je vous montre un petit peu l'intérieur, vous voyez, il est vraiment hyper joli. Vous avez plein d'infos sur la maladie, mais également de quoi vous organiser avec des routines, des emplois du temps, des carnets d'adresses, des notes, des témoignages. Voilà, vous avez plein de petites choses et notamment donc des pages comme ça, sans date. Vous allez pouvoir du coup organiser votre quotidien avec des menus, des listes de courses, des notes. Enfin voilà, je le trouvais super cool. Il y a vraiment plein de choses à l'intérieur, donc n'hésitez pas. Il y a de quoi faire pour vous organiser et en même temps, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Il y a plein de petits témoignages des familles à lire, donc je pense que ça peut être vraiment enrichissant aussi pour vous. Donc n'hésitez pas, ça nous fera super plaisir et voilà, c'est un beau projet qui me tenait à cœur tout simplement. Hier on a eu le temps uniquement de commencer les achats pour notre séjour au ski, donc on a réussi à trouver pour moi et Romain pour le moment. On a trouvé chez Superdry, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais là, actuellement, nous sommes dimanche. Et j'ai eu un petit craquage, c'est-à-dire que ça fait très très longtemps que je ne me suis pas coupé les cheveux, que je ne suis pas allée chez le coiffeur tout simplement, et que là j'en ai fortement besoin. J'ai des chutes de cheveux assez importantes avec les hormones de la grossesse. Donc voilà, donc j'ai besoin d'aller chez le coiffeur réellement. Là, mes cheveux commencent à vraiment perdre beaucoup beaucoup de volume. J'ai des endroits où j'ai pas mal de petits cheveux nains, enfin voilà, c'est un peu compliqué, donc ça me fera du bien d'aller chez le coiffeur. Et aujourd'hui on est dimanche et voilà, par surprise il y avait de la place, donc voilà, j'en ai profité. Je déteste aller chez le coiffeur ou rien que dans des rendez-vous un peu pour moi comme ça, parce que j'aime pas quand c'est trop long, je peux pas rester assise trop longtemps ou même faire les ongles et tout, enfin c'est un peu long pour moi ce genre de truc. Donc j'y vais vraiment jamais, mais là je vais y aller parce que quand même ça va faire du bien, un peu de changement. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, j'ai regardé un petit peu hier sur Pinterest. J'étais sur des balayages un peu blonds ou alors sur du roux, enfin vraiment du tout au tout. On verra un petit peu ce que la coiffeuse dira parce que du coup j'ai le cheveu très fin et un peu abîmé. Il va plus me reconnaître.
ce bébé si je change de tête? Hein? Si je change de couleur de cheveux? Je vous reprends après du coup pour vous montrer le résultat quand même. Coucou Elias, ça va? Oui. T'es sage? Oui. Oui. Et voilà, je vous montre le résultat de ma nouvelle coiffure. Donc j'ai opté pour un balayage blond. À la base j'étais partie vraiment pour faire du roux et j'ai été très très bien conseillée. Elle m'a conseillé, parce que ça allait me choquer sinon, de commencer par faire un balayage blond, que ça donnerait beaucoup de lumière. Elle m'a dit de couper, elle m'a coupé vraiment seulement ce qu'il fallait. Donc je suis très contente, j'ai pas les cheveux trop courts, mais en même temps on a bien coupé pour les laisser repartir correctement. Je pensais que j'allais avoir moins d'épaisseur que ça, franchement je suis super contente, finalement ça va, j'ai les cheveux très fins, mais finalement au niveau du volume c'est pas si pire. Maintenant reste plus qu'à, avec ma nouvelle routine, j'ai une nouvelle routine de chez Kérastase qui va permettre d'aider à la repousse des cheveux. J'ai des ampoules à mettre sur le cuir chevelu et là je vais à la pharmacie chercher des compléments alimentaires. Je vous dirai aussi ce que j'aurais pris avec la grossesse. J'ai eu vraiment des grosses chutes de cheveux. La baignoire, quand j'allais prendre mon bain, elle était recouverte de cheveux. Enfin voilà, c'était plus possible. Mes cheveux étaient très abîmés. Vraiment, ils ont beaucoup souffert en fait après la grossesse là. Donc je suis super contente, ça faisait des années que je n'étais pas allée chez le coiffeur, pour vous dire, ça fait 2 ans que je voulais garder les mêmes cheveux. Psychologiquement, je ne sais pas pourquoi, c'était ma coiffure quand Eden était parmi nous. J'ai eu beaucoup de mal et du coup j'ai été très émue en expliquant à la coiffeuse que je me sentais plus féminine si j'avais pas les cheveux longs et que j'avais peur de couper parce que je voulais pas avoir les cheveux courts. Moi j'adore les cheveux longs et tout, et du coup j'étais un peu triste de devoir couper. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, voilà. Là je suis très contente, ma coupe, du coup je suis rassurée, ça, j'aime bien, je trouve ça joli, je suis contente. Donc voilà. Plus qu'à prendre les compléments alimentaires, la nouvelle routine pour donner un bon coup de boost, vraiment pour que cette partie là surtout qui m'embête, parce que je peux plus, en fait j'ai été obligée de garder la raie au milieu, parce que si je mets la raie, vous voyez, sur le côté comme ça, comme avant, attendez, il n'y a plus de cheveux là, c'est affolant, c'est vraiment affolant. C'est la première fois que ça me le fait autant après une grossesse, hein. Ça m'avait jamais fait autant autant. Heureusement, ça repousse assez rapidement après les cures, mais voilà. De toute façon, je m'en doutais à chaque fois, à chaque fin après les grossesses, 5 mois après, je suis en méga chute de cheveux. Mais bon, ça va repousser et puis au moins ils vont repousser en bonne santé. Mais cette fois-ci, pour m'obliger à y aller, parce que moi je me connais, c'est que j'aime pas passer trop de temps dans un endroit. Pour moi, je trouve, j'aime tellement faire plein de choses et voilà, surtout en cette période où on a beaucoup de travail, c'était un peu long de passer toute une après-midi. Mais en même temps, voilà, là, il y avait un gros boulot à faire. Il y avait la coupe, il y avait la décoloration qui avait du mal à prendre. Pourtant, j'ai un cheveu totalement naturel. La décolo avait du mal à prendre, donc on l'a fait 2 fois pour qu'elle puisse bien prendre. Et du coup, là, j'ai un abonnement pour tous les mois aller faire un brushing et une patine. Et en fait, je veux éclaircir un peu plus encore. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je veux que ça devienne plus dans les tons blancs, en fait, que du blond doré comme ça. Moi, je préfère du blanc, donc je vais encore éclaircir. Et par la suite, je voudrais, du coup, dans quelques mois, quand mes cheveux seront un peu plus longs et également en meilleure santé, je voudrais faire du roux, voilà, avec une coupe un peu différente, donc repartir sur une raie sur le côté, avec plutôt une mèche sur le côté, enfin voilà, faire autre chose. Mais voilà, ça on verra plus tard pour le coup. Je suis très contente de cette coupe de cheveux, ça m'a fait quand même du bien, même si j'aime pas passer trop de temps dans un endroit comme ça, ça m'a fait du bien. Et pour les mois prochains, ça sera juste une patine et un brush, donc ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, au moins je prendrai ce temps là pour moi. Je suis allée ce matin chez Benefit où j'ai refait les sourcils également. Ça change tout aussi, ça agrandit tellement, regarde, j'ai un air totalement défatigué. Enfin voilà, ça fait, ça illumine, hein. Clairement là ça m'a fait du bien au moral de faire les cheveux, les sourcils. Plus qu'à aller faire les ongles, voilà, il faudrait que j'y aille une fois aussi. Bon, j'ai ce qu'il faut à la maison pour le faire moi-même,
mais j'aimerais refaire un petit coup du nail art pour dire de... Voilà, parce que là, mes ongles se sont beaucoup cassés, j'avais pas le temps de les refaire à chaque fois, donc voilà, il faudrait que... Ou alors je le fasse moi-même rapidement avec juste une petite couleur que je lime et tout, ça prend pas longtemps, hein. J'ai le kit manucuriste qui est génial, ça prend pas longtemps du tout, mais il faut que je le fasse, quoi, tout simplement. Voilà, je suis très contente d'avoir pris ce temps pour moi, ça m'a fait du bien et je me sens beaucoup plus féminine, je me sens mieux dans ma peau. J'avais peur, je retardais ce moment de couper les cheveux et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps parce que voilà, ça change vraiment tout, hein. C'est vraiment plus joli d'avoir une jolie coupe de cheveux, ça donne de la lumière, etc. Même le blond comme ça, j'aime bien. Je suis très contente. Il a fait quoi? En fait, t'as pris un monster truck et vois-tu. Pour faire un traîneau? Oui. C'est rigolo. Trop mignon. C'est quand même une bêtise. C'est quand même une bêtise, tu le trouves? Oui, faut que je range. Faut que tu ranges du coup? Oui. Attends, t'es capté. Alors, il y a quoi à l'intérieur? J'ai un œuf. Un œuf, ensuite. Et j'ai un monte-pièce. Oh, t'es content? Oui. C'est bien? Oui. Et Ezra? Tu lui as pas montré, Ezra? Ça. Et? Ouais, ça, c'est ça. C'est quoi ça? Une bouteille? Une bouteille sensorielle. Qui fait du bruit. Ah, ça t'intrigue. C'est coloré. Il y a un peu ces petits trucs. C'est des petits animaux, je crois, non? On peut même ouvrir. Non, faut surtout pas qu'il ouvre. Pourquoi? Attends, on va lui... Attends, on va lui offrir. Il est motivé, hein? Il a l'air content. Oh, mais que ça m'inquiète. Alors, t'as passé une bonne journée à l'école? Oui. T'es content d'avoir vu une bêtise de Jeff? C'est pas une bêtise. C'était mignon quand même, c'était quand même gentil. C'est rigolo. Et tes cadeaux, ils te plaisent? Oui. Tu dis merci à Jeff? Moi, j'ai eu un manqueur, c'est un sou au chocolat. Un œuf, on dit. Un œuf. Mon petit, un œuf au chocolat. Un œuf au chocolat. T'en veux? T'en veux? Oh! C'est intéressant, moi, ça. Moi, j'ai quoi? Hein? C'est intéressant? Moi, je n'aurais pas compris. Qu'est-ce que t'en veux? Tiens. Oui. Oh. Trop beau. Waouh. Bon, du coup, je vous avais dit que je vous montrerai ma tenue de ski. Je suis trop contente. Elle est trop canon. On a pris blanc, rouge et noir. Je la trouve trop, trop belle. Franchement, elle est trop jolie. Je l'ai essayée du coup là-bas sur place. Elle me va très très bien, donc je suis super contente. J'ai pris avec le pantalon blanc. Ils le font en rouge et en noir aussi. Moi, je trouvais que ça allait mieux avec du blanc. Ils le font d'autres couleurs. Il y a du noir, du rouge. Voilà, il y a plein de couleurs différentes. Voilà, nous, on a pris celle-ci et j'ai pris les gants blancs comme ça. Romain, il a pris une version rouge, je vais vous montrer. Et Romain, lui, a pris cette version en rouge et noir avec le pantalon tout noir. Elle est canon, sa veste, elle lui va super bien. Il est trop joli avec le grand super drap ici, je trouve ça trop beau. Et il a également pris du coup une paire de gants noirs pour aller avec. Il a pris aussi un legging et un petit haut comme ça à mettre en dessous du pull pour pas avoir froid. Moi aussi, je dois m'en trouver un, mais là-bas, il n'y en avait pas. Quand j'y suis allée, donc je vais aller voir chez Decat. Il manquera du coup des petits pulls, des choses comme ça pour être bien au chaud. Et là, il faut absolument que je trouve pour les garçons. Pour Ezra, bon, forcément, Ezra va pas faire du ski, mais on va quand même le faire des petites balades et l'emmener un petit peu à la neige pour qu'il puisse découvrir. Mais il me faut du coup une grosse combinaison. Bon, voilà, journée terminée. Elias est au dodo, Ezra commence à s'endormir, donc je vais pas tarder à aller le mettre au lit aussi.
Je suis passée à la pharmacie aujourd'hui, du coup j'ai pris les compléments alimentaires de la marque Forcapil qui sont compatibles avec l'allaitement. Et voilà, du coup j'espère que le vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.